Voici maintenant le sport le plus explosif des disciplines acrobatiques, le tumbling, avec Corinne Christel-Robert, championne du monde 92 et 93. Vous allez pouvoir apprécier ici Tatiana Panivan, vainqueur de la Coupe du Monde, elle vient de Moscou, avec une étonnante évolution dans l'espace. Il faut vous dire que cette piste n'est pas une piste comme les autres, c'est une piste à ressort, ce qui permet bien évidemment aux athlètes de rebondir. Pascal Yehouzan, champion du monde 88-90, après une année blanche en raison d'une grave blessure à la hanche et une fracture de la jambe, il est revenu au plus haut niveau. Voici maintenant Vladimir Ignatenkov, vainqueur de la Coupe du Monde, du grand spectacle. Corinne Robert, championne d'Europe et championne du monde par équipe, qui va s'élancer maintenant. Et le public en redemande parce que c'est une discipline qui a l'avantage de mettre en évidence toutes les qualités acrobatiques de ses athlètes. Stéphane Bayol, champion du monde par équipe avec la France. Christel Robert, championne d'Europe du Centre national acrobatique de Rennes. Deux employés ont fait enchaîner flip double vrille. Super. Tatiana Panivan. Rodan, flip et double salto arrière tendu plus vrille dans le deuxième. Ça va très très vite. Et maintenant, l'as des as, Vladimir Ignatenko. Merci. Du monde, un triple salto arrière, avec peut-être un triple salto arrière carpé. Oui. Une petite roulade en fin, mais quel exploit! Quel exploit! Allez, tiens!